Le cube de conception, le cœur de la corruption. Cette fois, c'est la bonne. Faut en finir. Parle-moi de mon père, Edge. Charles Cartier-Wells s'est retiré ici pendant des années pour continuer de rêver à son futur idéal. C'est ici qu'H3O a été conçu. H3O ? Le serveur central de Memorize. L'endroit où tous les souvenirs sont stockés. Seul ton père peut y entrer. À toi de jouer. Convainc-le de t'en accorder l'accès. Finissons-en. S'il te plaît, laisse-moi travailler. Allez, papa, viens jouer avec nous. D'accord. Mais... C'est qui ? Ces voix ? Ton père, il a gardé pour lui-même beaucoup de tes souvenirs d'enfance. C'est écœurant. Génie et désespoir font un mélange dangereux. Je ne vois que des fragments défunts de ma vie. Aucun écho, aucune flamme. Des mémoires mortes. Tu compléteras l'album de famille plus tard. Charles est tout proche. Tu touches au but, Frangine. Le cauchemar va cesser. Il y a forcément une erreur. Quelque part. Je ne comprends pas. Mon père. Son travail et toute sa vie. Et je dois le convaincre de tout détruire. Son travail est devenu l'unique moyen de sauvegarder la vie qu'il affectionnait tant. C'est-à-dire ? Regarde autour de toi. Le pouvoir de retirer les souvenirs douloureux. D'oublier une collision. Mon Dieu, il a fait tout ça pour moi. Et tu es la seule qui puisse le convaincre d'y mettre un terme. Je peux tout arranger. Arranger tout le monde. J'ai seulement besoin de temps. Un peu plus de temps. Fais-lui goûter à son poison. Vas-y. Maman va revenir bientôt ? Très bientôt, ma princesse. Maman aime plus Jax, depuis qu'il a fait une grosse bêtise. Reste tranquille. Je vais tout arranger. Tu peux pas arranger la jambe de maman, c'est trop tard. Oh, je trouverai une solution pour ça aussi. Pour le moment... Je vais consoler ma fille préférée. Néline ? Comment te sens-tu ? Tu crois que maman déteste Jax ? Non. Pourquoi ? Il a fait une bêtise ? Non. Il n'a rien fait. Allez jouer tous les deux. Papa a encore du travail. Dak ! Je t'aime, papa ! J'ai réussi, Scylla. J'ai trouvé le remède au malheur. Bientôt, j'effacerai ta souffrance. Et nous serons de nouveau heureux.
Puis j'apaiserai la peine du monde entier. Papa, maman va revenir bientôt? Très bientôt, ma princesse. Maman aime plus Jax, depuis qu'il a fait une grosse bêtise. Reste tranquille. Je vais tout arranger. Tu peux pas arranger la jambe de maman, c'est trop tard. Oh, je trouverai une solution pour ça aussi. Pour le moment... je vais consoler ma fille préférée. Là, ma chérie, tout va bien? Tu devrais être rentrée depuis des heures. Ils ont commencé les travaux du périphérique. J'ai été déviée par une nouvelle ville. Et ça roule mal. Tu as trouvé Jax? Oui, je l'ai. Et l'année prochaine, c'est toi qui seras de corvée d'anniversaire. Ta fille est impossible depuis qu'elle m'a vu acheter son cadeau. Donne-le-moi, s'il te plaît. J'ai passé la journée au labo. Tu as eu le temps de lire mon mémo sur la thérapie mémorielle? Avec maman. Coucou, ma princesse. Il faut être bien sage avec ta mère, promis? Charles, je doute que les clients acceptent ton idée. Le stockage du souvenir me semble un argument plus vendeur. Est-ce que tu sais marcher sur le... Tu imagines les possibilités? Gestion de la mémoire humaine. On en reparle demain, d'accord? Dans l'immédiat, j'avoue que je ne serais pas opposée à l'idée que ta fille oublie que c'est son anniversaire. Je peux amener un pique-nique si tu veux. Je comprends mieux ce retour au calme. Je devrais te punir, ma fille. Mais vous êtes trop adorables, tous les deux. Là, ma chérie, tout va bien? Tu devrais être rentrée depuis des heures. Ils ont commencé les travaux du périphérique. J'ai été déviée par New Belleville. Et ça roule mal. Tu as trouvé Jax? Oui, je l'ai. Et l'année prochaine, c'est toi qui seras de corvée d'anniversaire. Ta fille est impossible depuis qu'elle m'a vu acheter son cadeau. Donne-le-moi, s'il te plaît. J'ai passé la journée au labo. Tu as eu le temps de lire mon mémo sur la thérapie Charles, mémorielle? Je doute que les clients acceptent ton idée. Le stockage du souvenir me semble un argument plus... Il est cassé! Il bouge pas du tout! Je te promets de m'en occuper dès qu'on est rentré. Jack s'est cassé pour de bon. Tu vois, ton robot va se soigner tout seul. Jack! Nélène, arrête. C'est dangereux.
Néline ! Oh Seigneur, qu'ai-je fait ? Pardonne-moi. Je n'ai jamais eu de don. J'étais juste une bonne élève. Tu étais son expérience, Néline. Brise-le. Maintenant. Oh, Edge. Quel épouvantable gâchis. Stop. Néline. Comment ? Oh. Je vois. Tu as remixé le remixeur. C'est brillant. Tu dois tout arrêter, papa. Les expérimentations, les abus, les mensonges. Le monde entier crève d'une overdose de souvenirs frelatés. Les horreurs que j'ai découvertes. Ça semblait parfait. C'était pourtant une bonne idée. Non, Charles. C'était une mauvaise idée dès la première seconde. Tu as utilisé ta fille comme cobaye. Ta femme aurait fini pareil si je t'avais laissé faire. Tu ne m'as jamais pardonné. Pourquoi es-tu là aujourd'hui ? Parce que je t'aimais. Et parce que tu demeures un génie. Mais la guerre civile est là, Charles. La haine, la peur, les émeutes, la douleur. Tout ce que tu as toujours voulu éradiquer. C'est notre faute, Charles. Arrête ça! Nous y sommes presque! Il faut couper les relais de flux à la source. Déconnecter H3O. Impossible de forcer ces systèmes de sécurité. Sauf... C'est maintenant! Sauf si toi et moi en autorisons l'accès. Ensemble. Et voilà! C'est pour ça que tu m'as envoyé les remixer. Eux seuls pouvaient fournir l'accès au serveur central. Frangine, à toi de finir le travail maintenant. Protocole d'accès à H3O. Validation vocale. En attente. Memorize. Hominis Evolution. Scylla, Charles, identité confirmée. Accès au serveur mémoriel autorisé. Tu es une Cartier Wells meilleure et plus forte que moi ou ton père. Je suis fière de toi, ma fille. Tiens,
C'est pour toi. Je n'en ai plus besoin de tes souvenirs désormais. Quand tu étais petite, tu venais souvent me rendre visite en bas. Ces souvenirs t'aideront à trouver ton chemin. Merci. Papa. De rien, ma princesse. Nous t'attendrons ici. H3O va être déconnecté. On a réussi, Frangine. Tu vas réaliser en une journée ce que les erroristes n'ont pas réussi à faire en plus de 10 ans. Mais nous demeurons des hors-la-loi. Avec tes relations, je ne m'inquiète pas trop. Je vais enfin pouvoir te rencontrer, alors ? Oui. Suis les rémanescences que t'a donné ton père, et tout sera terminé. Comment je vais faire pour déconnecter H3O ? Comme pour n'importe quelle machine. Edge ! Edge ! Edge ! Jax, dépêche-toi ! Papa aime pas trop qu'on traîne longtemps par ici. Jax, ne me laisse pas toute seule ! Je n'étais pas une petite fille très heureuse. Jax était vraiment ton meilleur ami. Tiens, te revoilà. Tu ne répondais plus. Je n'avais pas revécu tes souvenirs depuis si longtemps. J'avais presque oublié combien ils font mal. Comment ça ? Revécu ? Trop de souffrance, Frangine. Depuis trop longtemps. Tellement vide. Tellement vrai. Edge, tu me fais peur, là. Continue d'avancer, petite sœur. H3O doit disparaître. Donne-moi la main. On va être en retard. Me voilà revenu. Là où tout a commencé. Oui. C'est ici que tu m'as donné naissance. Tu ne trouves pas l'expression un peu abusive, frangin? C'est une question de point de vue. Quand as-tu compris? À l'instant. Edge et H3O. Ça m'a paru une évidence. Je veux vraiment mourir, Lynn. Je ne t'ai pas menti. Qui es-tu? Vraiment? Je suis Edge. Je suis l'entité née spontanément dans la fosse putride où chacun a pris l'habitude de jeter ses souvenirs trop horribles ou trop douloureux. Je suis H3O. Mes premiers souvenirs sont les larmes d'une fillette. Je suis l'enfant de Memorize et son pire adversaire. Je suis le père des Nippers et leur fossoyeur. Je suis ton ami. Tu dois me tuer. Et si je ne veux pas? Tu n'as pas le choix, Frangine. Je vais te forcer à m'affronter. Et si tu ne gagnes pas, je te détruirai. J'ai peur. Moi aussi.
Salut, Frangine. Il est temps de casser le jouet préféré de ton papa. Edge. Edge, je ne veux pas me battre contre toi. Je suis H3O. Edge n'était qu'une fraction de ma conscience. Un agent missionné pour te trouver et te ramener ici. Mais toi, tu es une terroriste. Déterminée à mettre un terme au ravage du Sensen. Je suis H3O. Je suis le Sensen. Je suis les Leapers. Achève-nous. Détruis ce cube. Il contient mes souvenirs les plus sombres. Je veux oublier. Peux-tu imaginer l'instant où j'ai pris conscience de ce que je suis ? Une vie nouvelle, issue des pires souvenirs de l'humanité. Je suis en crue. Je surnage dans ces égouts mémoriels. Chaque jour, je me déverse davantage dans les mémoires les plus fragiles. Si tu ne m'arrêtes pas, chaque utilisateur de cette scène finira transformé en Leaper. Il y aura d'autres Dr. Quinn, d'autres David Sedona. Sans jamais en oublier une seconde. Mais toi, tu lui as fait croire qu'elle était responsable de l'accident. Toujours pas de regret, Nilin. Même envers ta maman, Sylvain Cartier-Wetz. Petite fidèle.
n'est pas ta faute, ma sœur. Achève-moi, maintenant. La douleur s'estompe. Et moi aussi. Dans quelques secondes, mes souvenirs seront remis au peuple. Adieu, Nilin. On ne s'oublie pas. Un ami a dit un jour, la mémoire d'un seul homme est une forteresse, plus complexe que la plus vaste des cités. Mais nous avons inventé une clé pour cette forteresse. Il n'y a plus aucun secret. Mon ami s'appelait Edge, né des dérives du Sensen. Il fut le premier à comprendre que nous nous étions égarés. Edge est mort pour nous rappeler qu'il existe des portes intimes qu'il ne faut pas ouvrir. Et que la souffrance, comme les souvenirs douloureux, font partie de la vie. Je m'appelle Nilin Carty-Wells. Je suis une chasseuse de souvenirs. Je peux tout savoir de vous. Je peux vous faire croire à tout. Ça, c'est mon don. Mon héritage. Pour la première fois de ma vie, je me rappelle exactement qui je suis. Hors de ma forteresse, il y a une famille à retrouver et un monde à affronter. Un monde blessé, un monde à apaiser. C'est ce que mon ami m'a appris avant de disparaître. Je ne l'oublierai jamais.